André Casse. Cet homme a été accusé d'avoir commandité l'assassinat de sa femme. C'était en 92 dans la région de Rouen. Et il faut bien reconnaître qu'il avait tout contre lui. Beaucoup d'argent, une maison de nouveaux riches et surtout une vie sexuelle débridée. Lui et sa femme avaient chacun des liaisons. Le couple fréquentait des boîtes échangistes. Et quand Sylviane, sa femme, est morte assassinée, il n'a pas pleuré longtemps. Quelques semaines après, il installait une de ses maîtresses dans la maison et se mettait à la recherche d'un sosie de sa femme assassinée en faisant le tour des agences matrimoniales. Oui, André Casse était riche et obsédé sexuel. Oui, on pouvait le trouver immoral, dégoûtant, écœurant. Mais fallait-il pour autant l'envoyer 3 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis ? André Casse, pour les braves gens, pour l'opinion, vous êtes un sale type. Absolument. Les braves gens n'aiment pas qu'on suive un autre chemin qu'eux. Donc, en effet, j'avais une libido assez particulière. J'avais beaucoup de maîtresses. J'ai une vie extrêmement animée. J'ai gagné beaucoup d'argent. Je l'ai un peu trop dépensé, un peu trop étalé. J'ai tous les défauts de la terre. Mais il y a une chose surtout. J'adorais Sylviane et j'ai pas tué ma femme. Avril 92, début d'après-midi. La famille Casse vient d'achever le déjeuner du dimanche. Chacun s'apprête à vaquer à ses activités dans l'immense et luxueuse maison que cette famille très aisée habite à 25 km de Rouen. Vers 14h30, l'aînée des enfants, Nathalie, propose d'aller au cinéma. La tribu acquiesce, on se prépare. Il y a le père, André, un promoteur immobilier de 40 ans, ses deux fils Jérôme et Julien, Nathalie bien sûr, et son mari Laurent. Il y a même le petit dernier, Aurélien, âgé de 2 ans. Au dernier moment, la mère Sylviane annonce à tout le monde qu'elle ne viendra pas. Elle préfère rester à la maison. Son mari et ses enfants insistent, mais non, c'est non. Je me souviens que c'était vraiment à la dernière minute qu'elle a décidé de ne pas nous accompagner parce que je crois qu'elle s'apprêtait même à monter un moment dans la voiture et puis elle a dit « Oh non, je suis trop fatiguée, je vais me reposer, allez-y sans moi, comme ça vous prendrez qu'une seule voiture. Bon, je reste à la maison, je vous attends et je vais me reposer un petit peu. » On y va les enfants. On est dimanche et les deux employés de maison ne sont pas là. Sylviane reste donc seule avec les chiens dans la grande villa. André Casse et ses enfants s'entassent dans la 205 de Laurent, le mari de la fille aînée, Nathalie, direction Rouen, pour aller voir Hook, l'histoire de Peter Pan et du capitaine Crochet. Il est environ 15h30 quand la voiture quitte le village d'Anneville-en-Bourville en direction du bac de Duclair qui permet de traverser la Seine en évitant un long détour. À partir du moment où nous sommes tous partis en voiture, dans la même voiture, nous ne nous sommes pas quittés à une seule minute. La séance de cinéma s'achève vers 19h10 et les Casse reprennent la route d'Anneville-en-Bourville. Chacun y va de son commentaire sur le film et tous meurent de faim, prêts à se jeter sur les restes de midi que Sylviane n'aura pas manqué de préparer pour le dîner. Il est à peu près 19h30 quand la 205 franchit le portail de la villa. Et là, tous remarquent tout de suite que quelque chose ne va pas. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, déjà, la voiture de ma mère ne s'y trouvait plus. Plus étrange. À peine entrés dans le salon, les enfants découvrent renversé sur une table le sac à main de leur mère. Jérôme, 11 ans, grimpe immédiatement l'escalier en direction de la chambre de ses parents. Et là, le gamin tombe sur une vision de cauchemar. Étendu sur le sol, vêtu d'un simple survêtement, les pieds nus, sa mère. Morte. Oui, c'est moi qui l'ai découvert dans la chambre, quand on téléphone autour et crée le bébal, quoi. J'ai tout de suite vu qu'elle était morte. Le corps gît sur la moquette.
Autour du cou de Sylviane, un cordon de téléphone. Elle a 3 trous sur la poitrine et une grosse plaie à la tête. Ses yeux et sa bouche sont ouverts. Mon père était très, très choqué. Il était blême, il est devenu... C'est la première fois de ma vie que je le voyais blême, tout à coup. André Casse, il est 19h10, lorsque vous rentrez du cinéma, en voiture. Tout de suite, vous sentez que quelque chose n'est pas normal, n'est-ce pas? Oui. On s'aperçoit qu'il y a un grand désordre dans la maison. Et sur la table principale, à l'entrée, il y a le sac de Sylviane qui est renversé, et ça, c'est pas normal. Et ensuite? Ensuite, Jérôme, qui à l'époque a 11 ans, qui est l'un de nos 4 enfants, va se précipiter 4 à 4 et va découvrir le corps de sa mère. Il va hurler, on suit derrière avec ma fille, on le fait redescendre, et à partir de là, le cauchemar commence. Vous appelez les gendarmes? Ma fille appelle sa belle-mère en lui demandant de prévenir les gendarmes, puisqu'on est tous un peu tétanisés face au cadavre de Sylviane. Mmh. Et donc Nathalie, qui a un peu de présence d'esprit, appelle sa belle-mère et les gendarmes vont arriver très vite avec le maire du village et le médecin du village. Vous ressentez à un moment donné qu'il vous soupçonne? Ah non, pas du tout. Les constatations qui sont faites sur place ce jour-là permettent de dire que Mme Casse a d'abord subi des violences dans un escalier qui est maintenant à la cave, puisqu'on retrouvera des traces de sang. Et l'autopsie précisera ensuite qu'elle a eu un fort traumatisme crânien. Les gendarmes pensent que Sylviane Casse a été d'abord poussée dans l'escalier de la cave. Les taches de sang sur les murs en témoignent. Le médecin légiste, lui, pense que dans sa chute, elle a perdu connaissance, et ça n'est pas ça qui l'a tuée. D'ailleurs, ça n'est pas en bas de l'escalier, mais au premier étage qu'on a retrouvé le corps. Et sur le cadavre se trouvait une carabine Winchester, 22 longs rives. On nous dit tout de suite que l'arme à feu a servi et que ma mère a été tuée certainement suite au coup de feu. Elle avait le fil du téléphone qui était autour de son cou, mais elle a été tuée par la 22 longs rives. Et à bout touchant, me semble-t-il. L'arme du crime appartient à la famille Casse. Une carabine Winchester, normalement cachée en hauteur, sur une étagère. À moins d'être familier des lieux, comment l'assassin pouvait-il connaître cette cachette? Sauf si Sylviane Casse elle-même, après avoir repris connaissance, est venue chercher la carabine à l'étage avant d'être rattrapée par son ou ses agresseurs. C'est en tout cas l'avis des gendarmes qui essayent d'imaginer le scénario de l'assassinat de Sylviane. Le ou les auteurs, moi je pense qu'ils devaient être au moins 2, ont entendu du bruit et sont montés. Et là, elle a dû discuter peut-être en un premier temps et puis tirer sur l'un d'eux, puisqu'on retrouvera, me semble-t-il, 2 balles dans le mur. Et certainement que le deuxième a dû arriver par derrière pour lui faire une strangulation. Et c'est à ce moment-là que l'autre individu est peut-être arrivé sur elle et s'est débattu avec elle, avec la carabine. Que les coups sont partis soit accidentellement, soit volontairement, ça je n'en sais rien. Mais les faits ont dû certainement se passer de cette façon. Des bijoux et des tableaux sans grande valeur ont disparu. Ça ressemble à un cambriolage qui a mal tourné. Pour moi, c'est un cambriolage qui était évident. C'est-à-dire que tout le monde a dû penser que... Ils ont dû penser qu'on était tous partis au cinéma, y compris ma mère, et se sont dit que la maison était vide. C'est ni plus ni moins pour nous, à la base, comme pour les gendarmes, un crime de rôdeur. Un ou des rôdeurs qui se seraient enfuis avec la voiture de Sylviane Casse. La voiture, justement. Le soir du meurtre, les gendarmes apprennent qu'elle a été retrouvée sur un parking dans une cité près de Rouen. La jauge d'essence est à 0, comme si les voleurs étaient tombés en panne. À l'intérieur, les bijoux et 2 tableaux volés. 3 témoins, dont un enfant, disent avoir vu le conducteur de la voiture s'enfuir à pied. Leur récit permet de réaliser un portrait robot de celui qui est peut-être l'assassin de Sylviane Casse. Thank you.
L'enquête de proximité dans le quartier où a été abandonnée la voiture permet aux gendarmes d'apprendre qu'un voyou, receleur notoire, traîne dans la cité. Mieux, le frère de ce receleur connaît André Casse. Ils ont fait du judo ensemble. Il a même déjà été invité chez lui. Les gendarmes fouillent le domicile des parents du receleur et saisissent plusieurs bijoux, à l'origine douteuse. Des bijoux qui sont présentés à André Casse et à ses enfants. Et effectivement, à l'époque, on a été convoqué et j'ai reconnu une bague qui, je pense, effectivement, appartenait à ma mère. Donc, ils pensaient que ces personnes, vu qu'ils habitaient ce quartier-là, pouvaient très bien être les coupables. Donc, les gendarmes, après, se sont fixés dessus, puisque les bijoux ont été reconnus, identifiés formellement comme appartenant à ma mère. Donc voilà, pour nous, c'était eux les rôdeurs qui étaient venus. Le suspect est présenté aux témoins qui ont vu un homme sortir de la voiture le soir du meurtre. Aucun d'entre eux ne le reconnaît formellement, mais tous disent qu'il pourrait correspondre. Interrogé à la gendarmerie, l'homme nie. Il n'a pas cambriolé la maison des Casses et encore moins tué Sylviane. Mais le juge d'instruction ne le croit pas et le receleur est mis en examen pour complicité de meurtre et écroué, ainsi que sa sœur, pour recel. Mais à l'automne, 6 mois après l'assassinat, la piste des voleurs de bijoux se referme. Les personnes qui sont soupçonnées produiront une facture de ce bijou, attestant que ce bijou a été acheté en Algérie. Et l'affaire s'arrêtera là parce qu'il n'y a aucun autre élément. Et je veux dire que la bague n'est pas reconnue, enfin, ne fait pas l'objet d'une expertise formelle permettant de dire que c'est celle-là. Visiblement, l'enquête s'arrête là, sur une simple facture, produite dans un pays où on n'y a pas de vérification possible. Facture authentique ou attestation de complaisance? Ce qui est sûr, c'est que ça suffit au juge pour libérer les suspects. Et 6 mois après l'assassinat, l'enquête reprend quasiment à zéro. Les gendarmes s'accrochent à quelques pistes. Une voisine affirme avoir vu la voiture de Sylviane Casse passer devant sa maison à 15h45, soit à peine un quart d'heure après le départ du reste de la famille pour le cinéma. Où allait-elle ? Un employé de la salle des ventes de Rouen, que fréquentait assidûment Sylviane Casse, assure l'avoir vu assister à une vente aux enchères ce jour-là. Sylviane était propriétaire d'une galerie de tableaux. Elle se rendait souvent à la salle des ventes. Mais ce dimanche 5 avril, qu'était-elle venue faire ? Vendre ? Acheter ? Rencontrer quelqu'un ? Mystère. Autre énigme, les chiens. Les chiens des Casse ont été retrouvés enfermés dans une pièce de la maison. N'importe quel cambrioleur qui voit des chiens va leur jeter des boulettes pour les endormir ou pour les tuer. Là qu'on les retrouve enfermés dans une pièce, on va dire traditionnelle familiale, connue que des habitudes de la famille et des gens qui travaillent, ouais, je trouve ça assez surprenant. Ça reste un grand mystère. Sylviane Casse a-t-elle reçu une visite cet après-midi-là ? Une personne inconnue des chiens qui aurait justifié leur mise à l'écart. Votre femme, il faut le dire maintenant, avait des amants. C'était le mode de fonctionnement de votre couple. Absolument. Elle n'a pas pu recevoir un amant ce jour-là, dimanche après-midi, n'étant pas allée au cinéma ? Pas. C'est une chose qui me serait apparue évidente si je l'avais trouvée bien habillée, maquillée, coiffée, préparée, pomponnée. Dans l'état dans lequel elle était très coquette, c'est pas en survêt et pas maquillée qu'elle attendait qui que ce soit. Vous aussi, vous aviez des maîtresses ? Oui. Mais est-ce que vous étiez amoureux de votre femme ? J'étais très amoureux de ma femme, mais je dirais que j'ai vécu avec elle 23 ans.
Donc, on ne vit pas de l'âge de 17 ans à l'âge de 40 ans avec quelqu'un sans être très amoureux de cette personne. Elle avait un caractère rieur, elle était joyeuse en permanence, elle était légère, c'était une bulle de champagne, elle était plus que jolie, elle avait un charme fou. 38 ans après notre première rencontre, j'y pense toujours, oui. Elle était secrète? Vous saviez toute sa vie? Non, non. Elle était secrète et elle avait des mystères. Et c'était une partie de son charme et ce qui poivrait notre existence, oui. Et s'il fallait chercher les clés de l'assassinat de Sylviane Casse dans sa personnalité? Une femme de 40 ans, très secrète. Elle avait un énorme jardin secret. C'était quelqu'un qui était assez mystérieux, en fait, qu'on n'arrivait jamais à cerner vraiment. Et même au moment où vous pensiez l'avoir cerné, vous découvriez quelque chose d'autre. Elle était vraiment multifacette. Donc, c'est une personnalité très, très complexe. Sylviane Casse avait rencontré André, qui allait devenir son mari, alors que tous les deux avaient à peine 17 ans. Il était champion de judo, videur dans les balles le samedi soir, et déjà séducteur impénitent. Entre les deux adolescents, le coup de foudre avait été immédiat. 2 ans plus tard naissait Nathalie, leur premier enfant. Ça n'est qu'après qu'est venu le mariage, au cours de l'année 73. Ma fille en était très amoureuse. Elle l'admirait beaucoup. L'année de leur mariage, André Casse commence à travailler dans l'immobilier. Un secteur en pleine croissance où ses qualités de vendeur vont faire merveille. C'est le début d'une formidable ascension sociale. Il a gagné tout de suite beaucoup d'argent. Bon, il a ébloui ma fille, ça c'est un fait certain. Oui, bien sûr, elle sortait d'une vie avec moi qui était quand même certainement trop terne pour elle. Elle a été propulsée quand même dans un milieu d'argent, de beaux hôtels, de beaux restaurants, de belles toilettes, etc. quoi. Le couple mène grand train. Les revenus d'André Casse ne cessent d'augmenter. Il devient un promoteur en vue, à l'ego manifeste, comme en témoigne cette publicité tournée dans les années 80. Cette maison, nous venons de la construire. C'est un couple avec 2 enfants qui va en prendre possession demain. Madame, monsieur, vous aussi, arrêtez de jeter des loyers par les fenêtres. Vous pouvez être propriétaire. J'en ai la certitude et je vais vous le démontrer. Alors, appelez-moi, appelez-nous. L'argent, Casse l'autodidacte sait le gagner. Il aime aussi et surtout le dépenser sans compter. À l'image de cette maison très tape à l'œil. Une maison qui a tout de suite fait jaser dans le village d'Anneville-en-Bourville. Et c'est vrai qu'elle était assez massive, assez m'as-tu vu. Mon père est né au Maroc, il lui restait pas mal de goût pour le clinquant, vous savez, un peu le brillant, le marbre, les bouddhas dorés, enfin tout ce qui est, tout ce que, bon, voilà, c'était. Et donc c'était une maison qui attirait forcément l'œil. Il avait cette obsession de paraître, d'avoir une belle maison, de ne pas être comme tout le monde. Dominique Rizet, les Casse mènent grand train. On a l'impression qu'ils ont beaucoup d'argent. Est-ce que c'est le cas? C'est vrai, Christophe, que dans les années 80, André Casse a gagné beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent, grâce au commerce immobilier. À l'époque, ses revenus annuels sont d'environ 1 million de francs, 150 000 euros, c'est quand même considérable dans les années 80. Seulement voilà, au moment où Sylviane est assassinée en 1992, les choses ont bien changé et en fait la famille Casse est aux abois. Lui d'abord, il était le directeur de sa société, mais il a dû déposer le bilan, ce qui fait qu'il n'a plus son salaire de directeur, qu'il n'a pas eu droit à des indemnités de licenciement, qu'il n'a pas droit non plus à des indemnités chômage, ce qui lui pose quand même un vrai problème, puisqu'il a à entretenir une propriété de 700 mètres carrés, une maison de 700 mètres carrés, qu'il rembourse 30 000 francs par mois, 4 200 euros,
Et l'entretien de cette maison et de la propriété lui coûte 20 000 francs, 3 000 euros par mois. Sa femme, Sylviane, elle est directrice d'une galerie de tableaux, elle est directrice d'une agence immobilière et elle a fait de très mauvais investissements. Elle a acheté et revendu au mauvais moment, ce qui fait qu'elle se trouve elle aussi dans une situation critique. Elle a licencié la plus grande partie du personnel de son agence immobilière et elle a des dettes qui s'élèvent à plusieurs millions de francs. Un an après le meurtre de Sylviane Casse, aucune piste n'a abouti. Les gendarmes n'ont rien à se mettre sous la dent, sauf une rumeur qui court au village et dans la région de Rouen. André Casse avait des problèmes d'argent. Et s'il avait tué sa femme pour toucher l'assurance vie qu'elle avait contractée? Et puis franchement, André Casse n'a pas joué longtemps les veufs éplorés. Il s'est vite consolé, comme on dit. Il aimait les autres femmes avant la mort de Sylviane. Il les aime toujours après. En l'absence de suspect, en voilà un tout désigné. Voilà ce que dit la rumeur. Dès la mort de sa femme, l'attitude d'André Casse n'est pas conforme. On ne le voit guère au cimetière. Au contraire, on raconte dans le village que le veuf fait de grandes fêtes chez lui, qu'il n'a pas changé de style de vie. Et il est vrai qu'André Casse mène son veuvage loin des canons de la bourgeoisie provinciale. Sa femme est morte, il y a quelques semaines à peine, quand il installe dans la maison d'Anneville sa maîtresse, Brigitte. Révélant au passage qu'il a avec elle un fils, âgé d'à peine un an. On n'a pas vu d'objection à ce que l'une de ses plus anciennes maîtresses vienne habiter à la maison. Je préférais ça que de le voir dans un état épouvantable. André Casse reste fidèle à sa réputation d'homme à femme. Ce libertin assumé a toujours collectionné les maîtresses au vu et au su de son épouse. Assidu depuis toujours des clubs échangistes et des partouzes. Visiblement, mes parents avaient un accord. Elle me dit toujours, moi je préfère être à 50% dans une bonne affaire qu'à 100% dans une mauvaise. C'est-à-dire qu'elle préférait partager papa avec d'autres femmes que de vivre sans lui. Elle m'en avait parlé, elle m'avait dit, mais de toute façon, moi je ne peux pas assumer les besoins sexuels d'André. Casse le sulfureux fait mieux. Peu de temps après la mort de sa femme, il crée une chaîne d'agences matrimoniales entre la France et la Russie. Et puis, il ne semble pas plus pressé que cela de retrouver l'assassin de sa femme. Connaissant le caractère de Monsieur Casse, j'étais persuadée qu'il allait prendre l'affaire en main, bousculer les gendarmes, bousculer le juge d'instruction, dire mettez-moi quelqu'un d'autre, de plus compétent pour. Mais c'était mon. Je ne reconnaissais pas, si vous voulez. André Casse, vous reconnaissez qu'après la mort de Sylviane, vous n'avez pas eu, comment dire, une attitude conforme à la morale? Absolument. Mais je ne pouvais pas avoir une attitude conforme à la morale après sa mort, puisque je n'ai jamais eu d'attitude conforme à la morale avant sa mort. Donc il faut être cohérent avec soi-même. Je dirais que si j'avais été coupable de quoi que ce soit, je pense que je me serais drapé dans une dignité, habillé de noir, et j'aurais promené ma silhouette fantomatique rodante autour du cimetière. Moi, ce n'était pas du tout ça. Quand elle est morte, ça m'a fait un tel vide que je n'ai eu qu'une seule obsession, c'est de la retrouver. Et donc je suis rentré dans un truc un peu obsessionnel, un peu stupide, mais c'était la quête du sosie. Et donc je suis parti sur cette quête de façon vraiment obsessionnelle. C'est-à-dire vous faites le tour des agences matrimoniales pour trouver la même? Absolument, la même. Physiquement? Quel que soit l'âge, la situation, la même. Et donc pendant que je suis en train d'essayer de faire de l'immobilier dans la Russie qui se reconstruit en 92-93, en même temps, j'ouvre, un département d'agence matrimoniale. Ça m'ouvre la possibilité de chercher le sosie de ma femme décédée et j'aurai à peu près cette démarche pendant les 19 mois qui vont suivre sa mort. Mais que vous cherchiez un sosie en privé, c'est une chose. Mais que, au vu, au su de tout le monde, vous installiez très vite votre maîtresse chez vous, dans votre maison, la maison que vous aviez en commun avec votre femme. Vous saviez que ça allait faire courir le ragot. Oui, mais... Et le soupçon. Absolument, mais pour moi, ce n'était pas le problème, parce que la maîtresse en question, c'est une, jeune femme que je connaissais depuis plus de 10-12 ans, qui était une amie de mon épouse et avec laquelle j'avais aussi eu un enfant. Donc je dirais que manifestement, il me fallait quelqu'un d'honnête,
de sérieux et qui puisse en même temps s'occuper de l'enfant qu'on avait ensemble, mais aussi de mes autres enfants. Et là, je pense que j'ai fait le meilleur choix possible à l'époque, dans les circonstances de l'époque. Oui. Parce qu'il fallait à tout prix que pour les enfants, la vie continue. Et mon problème, c'était que la vie continue. Madame, monsieur, bonsoir. Rebondissement dans l'affaire Casse. Le mari de la victime et deux tueurs à gages sont aujourd'hui derrière les barreaux. André Casse pourrait avoir commandité le meurtre de sa femme le 5 avril 92. Un an et sept mois après le meurtre de Sylviane, André Casse est directement accusé d'avoir organisé son assassinat. Pourquoi ce rebondissement? Les gendarmes avaient pourtant écarté assez rapidement la piste du mari. Sauf qu'un petit détail a changé. Ce ne sont plus les gendarmes qui sont en charge de l'enquête, mais la police. À partir d'un certain moment, et compte tenu certainement de renseignements qui ont été transmis au juge d'instruction et qui avaient été recueillis par un autre service de Rouen, le SRPJ en l'occurrence, la gendarmerie a été dessaisie au profit de ce service. Le juge d'instruction a confié l'enquête à la police judiciaire parce que celle-ci lui avait apporté une information capitale. L'identité des tueurs de Sylviane Casse. Des révélations obtenues de la bouche d'un dealer qui venait de se faire pincer. C'est un monsieur qui a été pris en flagrant délit d'un trafic de stupéfiants assez important, qui est incarcéré dans le Nord, hein, donc on n'est plus du tout à Rouen, on est dans une autre juridiction, et qui aurait fait savoir, j'utilise le conditionnel, aurait fait savoir qu'il avait des révélations à faire dans une affaire criminelle à Rouen. Cet homme s'appelle Djoubré. On le voit ici arriver chez celui qu'il va justement balancer à la police, Malek, un ancien docker. Les hommes sont amis depuis longtemps. C'était un ami d'enfance. On a fait les 400 coups ensemble, quoi. C'était un ami d'enfance. Non, oui, je le connaissais bien, ouais. Il me connaissait très bien. Ouais. Dans le même film amateur, on peut voir aussi Djoubri serrer la main d'un deuxième homme, un certain Driss, qu'il accuse d'être l'autre tueur. Que dit exactement Djoubri à la police? Il a raconté que Malek, un an plus tôt, lui avait parlé d'un projet d'assassinat, le meurtre d'une femme commanditée par son mari, un riche notable de Rouen. C'est ça qu'il a dit aux policiers, sans citer de nom. Mais très vite, ils ont fait le lien avec l'affaire Casse. D'autant que l'un des tueurs désignés, Malek, connaît bien André Casse. Monsieur Casse, moi je le fréquentais. Je le fréquentais par le biais parce que j'apprenais l'immobilier. Chez lui, il m'apprenait l'immobilier et je travaillais pour lui. Donc automatiquement, je connaissais Madame Casse. Hein. Je l'ai vu deux, trois fois. Trois semaines après les déclarations de Djoubri, un toxicomane est arrêté par la police de Rouen. Et lui aussi parle de l'affaire. Il s'appelle Jimmy et dit avoir été contacté un an plus tôt par un certain Malek pour exécuter un contrat pour le compte d'un mari qui voulait tuer sa femme pour hériter. C'est troublant quand on sait qu'André Casse a touché une belle somme d'argent à la mort de Sylviane. On s'aperçoit que André Casse, à la suite de la mort de son épouse, perçoit une assurance vie assez importante, hein, de plusieurs millions de francs. Donc l'équation est vite faite. Hein, je suis un libertin, un nouveau riche sans scrupules, je suis un cynique, j'ai besoin d'argent, la mort de ma femme peut me rapporter 3 millions de francs, je tue ma femme. L'étau se resserre autour d'André Casse et de ses hommes de main présumés. Première cible des policiers, Malek Mestoui. Le 3 novembre 1993, un an et demi après la mort de Sylviane Casse, la police débarque chez lui. On m'explose la porte et on rentre chez moi à 6h du matin. On me met les menottes, on met les menottes à ma femme, on emmène mon fils. Direction le commissariat de Rouen, où Malek est placé en garde à vue avec sa femme et son frère. Il est interrogé par l'inspecteur principal Morel de la brigade des stupéfiants. L'inspecteur Morel me dit, tu sais pourquoi que t'es là? J'ai dit, bah non. Il me dit, bah t'es là pour avoir tué Madame Casse. Et on sait que c'est le gros juif qui l'a commandité. Le gros juif. Il m'a commencé comme ça. Malek nie. Mais son copain Djoubri réitère ses accusations devant l'inspecteur Morel, qui est devenu chef d'enquête dans l'affaire Casse. Le policier de Rouen
qui va entendre Djoubri est un policier de la brigade des stupéfiants. Les habitudes procédurales auraient voulu qu'il fasse un rapport de ce qu'il a entendu, qui produise éventuellement l'audition qu'il a prise, et qui laisse les collègues plus compétents que lui gérer la chose. Au lieu de ça, effectivement, il va convaincre le juge de lui laisser le bébé. Pourquoi ? Pourquoi ? Dominique, comment se fait-il que ce soit la brigade des stupéfiants qui récupère cette enquête qui n'a aucun rapport avec la drogue et que les gendarmes soient dessaisis ? Ce qui a pu se passer, hein, c'est une hypothèse, ce qui a pu se passer, c'est que les stupes arrêtent Djoubri. Djoubri, c'est un trafiquant de drogue. Il rentre des Pays-Bas, il est chargé, il a un kilo de drogue avec lui. Ça veut dire que quand il est assis pendant sa garde à vue, il sait qu'il est là pour importation, vente de drogue. Et il sait qu'il va partir pour plusieurs années. Alors qu'est-ce qu'il fait Djoubri ? Il dit aux flics, moi j'ai un tuyau, je peux vous donner des infos sur une affaire de meurtre. Et bah, les policiers en parlent au juge. Et on négocie. Alors c'est quelque chose qui se fait, c'est pas du tout illégal, sauf que chez nous en France c'est assez officieux. Et ça doit rester dans un cercle fermé. L'indique, les policiers, le juge d'instruction. Et le juge, pour que ça reste dans ce cercle, c'est pour ça qu'il ne fait pas venir les gendarmes. Les gendarmes, s'ils viennent là-dedans, ça va tout perturber. Donc, il dit aux policiers des stupes, « Ok, donc ce tuyau, vous allez l'exploiter, c'est vous qui allez travailler dessus. » Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le Djoubri, quand il parle, il va donner des informations sur la mort de Madame Casse. Sauf qu'il va donner deux fausses informations. D'abord, il va dire qu'il s'agit d'une femme dont le corps a été retrouvé dans le coffre d'une voiture. C'est pas vrai. Deuxième chose, il va situer le moment où on lui fait ces révélations, où on lui parle du meurtre à venir. Il situe ça en août-septembre 92, alors que le meurtre, il a déjà eu lieu, le meurtre de Madame Casse, au mois d'avril 92. Donc c'est pas très crédible, quoi, à la base. C'est pas crédible. Et plus fort encore, au moment où Djoubri fait ses révélations, il y a un autre toxico de 20 ans qui s'appelle Aubourg, qui dit aux policiers, moi j'ai des révélations à vous faire. Il fait la même chose que Djoubri, il leur raconte la même chose. Ça veut dire, deux personnes qui ne se connaissent pas, qui font les mêmes révélations fausses sur la mort de Madame Casse, c'est pas très crédible quand même. Et le juge et la brigade des stupéfiants auraient dû sentir l'erreur, quoi. Ben oui, ils sont partis directement sur cette piste. L'étape suivante est logique, c'est l'arrestation de celui qu'il désigne comme le commanditaire, c'est donc votre arrestation. Ça se passe le 8 novembre 1993, les policiers débarquent chez vous, comment ça se passe ? Il est à peu près midi, quand une douzaine de policiers débarquent dans la maison, viennent m'expliquer que je suis en état d'arrestation pour le meurtre de mon épouse. Et il court partout dans la maison, suivi par Brigitte, suivi par d'autres personnes, et ils se mettent à perquisitionner dans tous les sens. Mais ils vous disent que vous avez été balancé par quelqu'un ? Ils vous donnent plus de détails ? Non, rien. D'ailleurs, je ne sais pas de quoi il s'agit, et je mettrai à peu près 24 heures avant de comprendre. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce sur quoi ils fondent leur accusation. Alors, ils vous embarquent ? Mais avant ça, il se passe un truc qui est assez hallucinant. Il vous laisse manger. Oui, c'est-à-dire que quand je vois la façon dont ça se passe, et la maison étant très grande et que je les vois fouiller partout, je me dis que la journée va être difficile. Je leur demande s'il est possible que je déjeune. Ils me disent pas de problème. Et je me fais de steak grillé, une petite salade, en me disant que la journée va être en effet difficile. Je ne savais pas que la journée allait durer 3 ans. 8 novembre 1993. Il est à peu près midi quand une dizaine de policiers perquisitionnent la maison d'André Casse, avant de l'emmener, lui et sa compagne Brigitte, à l'hôtel de police de Rouen. Bientôt rejoint par les enfants. À la sortie de l'école, on vient nous chercher et on arrive au commissariat. Et d'un seul coup, moi j'entends mon père, donc qui était interrogé. Ma sœur est également interrogée. J'apprends que mon beau-frère l'est également, que la compagne de mon père l'est également. C'est une véritable rafle, quoi. C'était assez hallucinant. Julien, 14 ans, et Jérôme, 12 ans, ne sont évidemment pas préparés à la mécanique implacable de l'interrogatoire policier. À la nuit tombée, chacun, séparément,
fait face à deux inspecteurs de police. Tout se passe bien au début, je dépose avec un inspecteur charmant face de moi, qui m'écoute, qui prend note. D'un coup, je me retrouve dans un petit bureau et j'ai un inspecteur beaucoup moins sympathique qui vient et qui commence à m'agresser, montrant des photos de ma mère, expliquant que mon père avait tué ma mère. Les policiers ont été très clairs, ils ont dit que c'était mon père qui avait fait assassiner ma mère, qu'ils avaient les preuves, j'aurais dit ben montrez-les-moi. De là, ils ont complètement éludé le problème. Et là commencent effectivement des élucubrations un peu bizarres. Où on me parle de la sexualité de mon père. Le seul moment où il y a eu une forte tension, c'était au moment où ils ont parlé effectivement de la vie sexuelle de mon père, en racontant en long, en large et dans le détail les tribulations paternelles. Et là, je ne voyais pas le rapport. Pour Nathalie, son père, de toute façon, a un alibi imparable. Il était au cinéma avec elle et ses frères. Il n'a donc pas pu tuer sa mère. S'il était coupable, ce serait nécessairement comme commanditaire. Il aurait payé ou convaincu quelqu'un de commettre le crime. Or, pour commettre ce crime tel qu'il a été commis, il faut évidemment être prévenu que Sylviane Casse va être seule pendant 2-3 heures. Comment il fait ? C'était pas possible. C'est-à-dire que le cinéma, c'est moi qui avais décidé d'y aller, avec mon ex-mari à l'époque. Mon père avait insisté pour que ma mère vienne avec nous. Il n'y a pas de préméditation possible. Pour commanditer un assassinat, il faut savoir quand la personne sera là. C'était impossible techniquement. L'interrogatoire terminé, les enfants d'André Casse rentrent chez eux, persuadés qu'ils vont très vite retrouver leur père. Donc, vu qu'on sait que notre père est incapable de faire ça, pour nous, il peut sortir dans 2 jours. Voilà, il pouvait faire une garde à vue de 48 heures, revenir à la maison. À la base, on s'attendait à ça. On s'attendait pas à autre chose. La garde à vue, comment ça se passe ? Ben, la garde à vue, c'est quelque chose d'assez particulier. À un moment donné, d'ailleurs, il y a l'inspecteur des stupes qui est en charge du dossier et son patron qui viennent me voir tous les deux et qui me disent « On a arrêté vos deux amis, ils sont coupables du meurtre d'autres femmes ». Je leur dis, écoutez, je suis très surpris parce que j'en connais un très bien, je suis très surpris, mais puisque vous avez fait votre travail, bravo. Là-dedans, ils disent, oui, mais ils vous désignent. Je dis, écoutez, ça me paraît invraisemblable. Bon, du coup, ils me raccompagnent, on va dormir. On dort d'ailleurs en famille parce que ce soir-là, ma fille, dont on a tué la mère, est en garde à vue. Mon ex-gendre, le malheureux, est aussi en garde à vue. Brigitte est aussi en garde à vue. Tout le monde est en garde à vue. Bon, le lendemain, je suis tout seul, est en garde à vue, eux vont être libérés. Et le lendemain, je pense qu'on va discuter pas à pas. Ça ne sera pas le cas. À l'issue des 48 heures légales de garde à vue, André Casse est mis en examen pour complicité de meurtre. Le 10 novembre 1993, il franchit les portes de la prison Bonne Nouvelle, à Rouen, où il rejoint ses hommes de main présumés, Driss et Malek. Mais au vu de la fragilité des témoignages qui ont fait tomber Casse, son avocat est assez optimiste. Ce qui animait ces deux PV, c'était leurs excès. Et les excès, c'était le gros juif, plein d'argent, etc. Mais ça transpirait, mais littéralement, de ces deux procès-verbaux. Donc ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que ces gars-là avaient entendu 2-3 trucs vrais, il n'y avait qu'à ouvrir un journal, pour savoir quand est-ce qu'elle était morte, où elle était morte, comment elle était morte, etc. Donc moi, je me dis, le juge, avec un minimum d'efforts, une confrontation sera peut-être même pas nécessaire, va très vite écarter tout ça. Mais le dossier d'accusation s'étoffe. Au fil des semaines, l'inspecteur Morel et son équipe accumulent les témoignages défavorables et compromettants. Le dossier va un peu changer avec 2 autres sortes de témoignages à charge contre André Casse qui émanent de ses proches, on va appeler ça comme cela. La première à mener la charge contre Casse, c'est Michèle de Courcelles, la mère de la victime. Au début de l'enquête, elle avait déclaré aux gendarmes que tout allait bien entre les deux époux. Mais là, 18 mois plus tard, elle a des révélations à faire à la police et au juge d'instruction. Elle m'avait dit qu'il voulait qu'elle se tue, qu'elle se jette contre un arbre, quoi. Elle m'avait dit, oh ben, si je mourais, financièrement, il serait bien. Et puis, elle m'avait dit aussi, si...
S'il m'arrive quelque chose, ça sera... André, tu le diras, la police ne te laissera pas s'en sortir. L'argent que touche son gendre à la mort de Sylviane éveille les soupçons de Michel, car certaines dettes du couple sont totalement effacées grâce aux assurances décès. Près de 600 000 euros. André Casse a aussi touché près de 200 000 euros de la caisse des cadres à laquelle cotisait Sylviane. Ça commence à faire beaucoup d'argent. Et puis il y a l'assurance vie, le mobile avancé par l'accusation. 420 000 euros que Casse a empoché à la mort de sa femme. Normal ? Eh bien non. Car Sylviane Casse, parce qu'elle avait des dettes auprès de sa banque, avait désigné celle-ci comme bénéficiaire de son assurance vie. Alors André Casse, finalement, l'argent de l'assurance vie de votre femme Sylviane, vous l'avez touché ou pas ? Elle avait contracté l'assurance décès et par ailleurs, elle avait des dettes qu'elle devait au crédit foncier. Pour avoir un prêt du crédit foncier, elle a délégué l'intégralité de son contrat d'assurance au crédit foncier. Grosso modo, en leur disant, si je décède, vous serez remboursé. Voilà. Et donc, elle leur devait 5,4 millions et elle avait 5 millions d'assurance. La mort de Sylviane aurait permis d'indemniser intégralement le crédit foncier. Et ils ont néanmoins versé cet argent sur votre compte. Une partie de cet argent a été versée sur mon compte par une erreur à la fois de l'assureur et du crédit foncier. C'était absolument pas prévisible au jour du décès. Une telle erreur était impensable. Vous saviez-vous que l'argent de l'assurance vie de votre femme était destiné à la banque ? Je le savais tellement bien que j'avais négocié ça moi-même avec le crédit foncier et c'est moi qui avais mis en place ces modalités. On ne peut pas lui attribuer ce mobile, ça, si vous voulez, c'est pas possible. Dès lors qu'on sait qu'il savait que le bénéficiaire avait été changé, c'est fini, ce mobile n'existe plus, il faut en trouver un autre. Mais l'argument ne convainc pas le juge d'instruction, d'autant qu'un autre témoignage accable André Casse. Jocelyne, une amie du couple, mais également l'une des maîtresses d'André Casse depuis des années. Elle aussi n'avait rien dit au moment de l'assassinat. Mais maintenant, Jocelyne confirme les propos de la mère de Sylviane Casse. Sylviane était terrorisée par son mari. André voulait empocher le montant de son assurance vie et lui aurait demandé de se suicider en jetant sa voiture contre un arbre. On va réussir effectivement en quelques jours à dresser un portrait de cet homme qui colle tout à fait à celui d'un mari qui ferait assassiner sa femme. Et effectivement, quand tout ça va arriver sur le bureau du juge d'instruction, ça commence à être convaincant. Maintenant qu'André Casse est en prison, les gens défilent dans le bureau du juge pour le charger. Comme ce vieux copain qui raconte que quelques mois avant le meurtre, André Casse lui a demandé « Et toi ?» Si tu voulais tuer ta femme, tu ferais comment ? Évidemment, dans ce contexte, ce témoignage devient accablant. On va beaucoup gloser sur les difficultés financières du couple. Les employés de maison vont raconter des scènes de ménage terribles. Sabine, l'une des deux femmes de ménage, dit que le torchon brûlait entre les époux. Elle parle d'un homme violent qui aurait... frapper sa femme. Elle aurait même entendu un jour leur fille, Nathalie, hurler « Papa a voulu tuer maman !» Et puis, elle décrit un obsédé sexuel, ignoble avec les femmes, qui pour lui n'était que des objets sexuels. Je ne suis pas allé une seule fois devant le juge d'instruction avec André Casse sans qu'il soit question de sa sexualité. Le sexe, encore et toujours, qui alimente le soupçon contre André Casse. Parce que quand même, est-ce que c'était pas étonnamment mieux que ce soit lui qui soit coupable quand même ? Un homme comme ça ne peut pas être comme les autres. Un homme comme ça, il ne peut pas ne pas être coupable. Et véritablement, monsieur Casse, sans le savoir, étonnamment collaborait au piège qui s'est refermé sur lui-même. Votre femme de ménage dit de vous que vous êtes un obsédé sexuel qui méprise les femmes. Oui, mais c'est peut-être que je n'ai jamais eu de rapport avec ma femme de ménage, c'est peut-être pour ça qu'elle le pense comme tel, mais qu'elle se rassure, je ne la méprise pas du tout, simplement j'en ai pas envie.
Elle dit que vous battiez votre femme. Là, on est dans n'importe quoi. C'est-à-dire que lorsqu'on se met à délirer, je dirais, vous pouvez tout entendre, mais tout. Et là, j'ai vraiment tout entendu. Quand la justice n'a rien, on fait des ragots. Et puis, il y a une de vos maîtresses, Jocelyne, qui vous accuse, elle aussi. Oui, Jocelyne était une maîtresse que nous avons partagée durant de nombreuses années avec mon épouse. Elle s'est montrée pleine d'affection pour moi après la mort de Sylviane. Ce qui a énervé Jocelyne, c'est qu'elle avait sans doute fondé de grands espoirs sur le fait que nous vivions ensemble. Non pas tant pour mon charme, mais parce qu'à l'époque, j'avais 2 employés de maison et beaucoup d'argent et que j'étais un parti économiquement intéressant. Et vous avez préféré Brigitte ? Et j'ai préféré Brigitte, qui avait, qui était une parfaite mère. On n'est jamais une mère de substitution, mais qui pouvait être, disons, la personne la plus apte à s'occuper correctement des enfants. Et votre belle-mère, la maman de Sylviane ? Comment elle prend ça, quand même ? Sa fille remplacée si vite ? Oui, alors, ma belle-mère, c'était un peu particulier. Elle avait été votre maîtresse ? Elle fut ma maîtresse, elle et des amis à elle. Avant que je ne connaisse Sylviane, je l'ai connue, ma belle-mère, j'avais 17 ans. À l'époque, on était mineurs jusqu'à 21 ans. Elle en avait 38. J'ai connu après sa fille. Donc, je dirais que, venant d'elle... Aujourd'hui, évidemment, c'est une vieille dame assez digne, mais ce fut dans sa jeunesse absolument tout, sauf un paragon de vertu. Donc si quelqu'un devait, à ce niveau-là, avoir un jugement, c'est certainement pas elle dont le jugement aurait pu me préoccuper, oui. Le 9 juin 1994, l'inspecteur Morel remet son rapport de synthèse au juge d'instruction Thierry Laurent. Voilà 8 mois qu'André Casse est en prison, et le rapport est sans appel. Casse est bien le commanditaire de l'assassinat de sa femme. Que le juge d'instruction ait été totalement influencé, parce qu'il le croyait, point la ligne, il laissait son droit, par le chef d'enquête de la deuxième partie, c'est-à-dire au niveau policier, c'est une évidence. Et que l'enquête policière ait été faite exclusivement à charge, alors là, je peux le dire, je l'ai toujours dit, je l'ai dit, je le redis, c'est une évidence aussi. Pour faire plonger Casse, le juge d'instruction compte maintenant sur les aveux de ses co-accusés. Malek, notamment, a été mis à l'isolement pendant plusieurs mois, avant d'être enfin présenté au magistrat. Je suis arrivé devant son bureau. Je veux entendre ce que je veux entendre. Alors, vous avouez ? Je vous avoue quoi ? Vous voulez que je vous dise quoi ? Pendant son interrogatoire, il m'amenait toujours vers une direction où voulant dire « Donnez-moi Casse ». Une fois, il m'a dit « Donnez-moi Casse ». Mais Malek ne bouge pas. Il n'a pas tué Sylviane Casse. Et tout comme Driss, il multiplie les démarches de remise en liberté. Sans succès. Elles sont systématiquement refusées. Et les mois d'incarcération s'accumulent pour les 3 hommes. Pendant ce temps-là, dehors, les enfants d'André Casse sont livrés à eux-mêmes. Et nous, on est laissés tout seuls. C'est-à-dire que le juge d'instruction n'a pas donné un seul ordre pour qu'on s'occupe de nous. Donc on s'organise comme on s'organise, quoi. Grâce à ma belle-mère, ça tient. Grâce à ma sœur, ça, on s'arrange. C'est vrai que c'était une période assez angoissante parce qu'on ne savait pas ce qu'allait se passer et qu'on ne savait pas pour combien de temps. Et puis les jours passent, les mois passent, les années aussi. Et là, on se rend compte qu'effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge. En prison, André Casse a étrangement la pêche. À la différence de ses 2 compagnons d'infortune, il s'accommode assez bien de sa vie carcérale. Et on me parlait de lui de façon étonnante, étonnante, comme étant, alors, ayant très vite pris sa place, une autorité immédiate, les gardiens l'aimaient bien. Ah, il nous faisait toujours rire, il était toujours en train de rigoler, et en fait, il nous demandait plutôt à nous de parler de nos vies que lui de parler de la sienne. Il me remontait presque le moral par moments, me disant « La justice ne peut pas se tromper. C'est impossible. » Il m'a dit « Moi, j'ai un élément, vous ne l'avez pas. L'élément que j'ai, c'est que moi, je sais que je suis innocent. » Mais Casse parle dans le vide. Jusqu'au printemps 95, premier rayon de soleil, André Casse a convaincu 2 experts psychologues qu'il n'a pas le profil du commanditaire d'un assassinat. Il est peut-être apparu comme un flambeur, comme quelqu'un, etc., d'un peu trop bon vivant.
Et en fait, ça recouvre tout simplement un mécanisme de personnalité, je dirais presque banal, et qui parfois n'a pas cette ampleur-là, de quelqu'un qui veut être au centre du jeu, qui veut pas se faire oublier, qui veut avoir constamment la conscience de maîtriser les choses. C'est pas un trait de personnalité pathologique, il est comme ça. Les deux experts vont plus loin et prennent position. Ils écrivent que selon eux, il y a une incongruité entre le désir de vie d'André Casse et tout acte mortifère. Pour eux, c'est simple. Un tel personnage ne peut ni tuer, ni faire tuer quelqu'un. Or, commanditer un acte criminel, ça veut dire le penser, l'élaborer, etc. Donc avoir toute une pensée organisée vers la mort. Il n'y avait aucun élément vraiment dans ce qu'on a entendu qui nous donnait cette impression que cet homme pouvait souhaiter même la mort de quelqu'un. Le juge doute. Les experts psychologues ont commencé à faire vaciller sa conviction. Il décide donc d'organiser, près de 3 ans après l'assassinat, une confrontation entre Casse et chacun de ses accusateurs. Son ami, son ancienne maîtresse, sa belle-mère et les deux malfrats qui l'ont balancé. Et à ce moment-là, Casse va marquer des points. Les confrontations en question vont être assez hautes en couleur, je dois dire, puisque la plus belle, entre guillemets, c'est avec sa belle-mère. Puisque la belle-mère va dire, mais vous comprenez, vous vous rendez compte de l'individu qu'il est, puisqu'il a même couché avec moi. Casse rétorque que sa belle-mère était sa maîtresse avant qu'il ne rencontre sa femme, même s'il a continué à la voir après son mariage, ce que reconnaît Michel sans enthousiasme. Alors, peu de temps avant le décès de ma fille, une nuit, il est arrivé comme ça, 3 heures du matin, dans ma chambre. Je dormais, j'ai reçu les 120 kilos de... je croyais ma dernière arrivée parce que je pouvais plus respirer, mais à part ça, c'est ça être une maîtresse. Un témoignage qui noircit un peu plus le portrait de Casse, mais qui ne le rend pas coupable pour autant. Le juge met face à face dans son bureau Casse et ses accusateurs. Mais les confrontations tournent court. Elles vont pratiquement toutes aller dans notre sens. Notamment ces élucubrations de ce type-là, qui disait Casse m'a demandé comment on faisait pour tuer sa femme. Enfin, c'était d'un ridicule. Cet homme qui était si prompt à l'accuser devant les services de police, face à son ami, est incapable de parler. Il ne parle plus. C'est incroyable. Le 8 juin 1995, alors que Casse est en prison depuis 19 mois, le juge organise enfin dans son bureau une confrontation avec Djoubri, l'homme qui l'accuse. Alors là, ça a été le coup de tonnerre immédiat dès le début de cette confrontation. Hein, j'en ai vraiment une vision très claire de cette confrontation. Hein, c'est comme si j'y étais hier. Une vision très claire de Djoubri qui très rapidement va expliquer qu'il a raconté des histoires, qu'il a menti pour bien se faire voir dans le cadre de l'affaire pour laquelle il était en cause, histoire de stupe avec des quantités relativement importantes. Djoubri avoue au juge. Quand j'ai été interrogé par les douanes, ils m'ont dit qu'il y avait un moyen de s'arranger si je donnais des informations. Alors j'ai dit ce qui me passait par la tête en m'inspirant de ce que j'avais entendu dans les bars sur l'affaire Casse. L'autre dénonciateur, Jimmy, se rétracte également. Jimmy Aubourg, il a dit, moi tout ce qu'on m'a dit de dire, c'est les inspecteurs qui m'ont dit, qui me l'ont fait marquer. Tout ce que j'ai signé, c'est les inspecteurs qui m'ont dit de le marquer. Et Djoubri ajoute que l'inspecteur Morel faisait les questions et les réponses. On va voir des gens qui vont paraître, alors peut-être que je me suis trompé, terriblement désolés de ce que ça a entraîné. Moi, je les ai trouvés, oui. Je les ai trouvés très, 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 oui, très sensibles à ça. Ça m'a surpris. Voyez-vous, c'est le souvenir que j'ai de ça. C'est vraiment le souvenir que j'ai de cela. Des gens qui, tout à coup, se sont dit, on pensait pas que ça irait si loin. Le dossier d'accusation est presque vide, désormais. Les suspects se voient déjà libres. Et ça a été le choc. Et là, ça a été l'espérance, parce que moi, j'ai crié dans la salle, aura. Immédiatement, après que chacun ait signé son procès-verbal, les intéressés sortent. Les avocats, on reste, on s'entretient avec le juge. Et j'ai encore le juge, je vois encore le juge Laurent,
me disant « il n'y a plus aucune raison pour que je les garde en détention ». Le juge d'instruction de Rouen a décidé la remise en liberté d'André Casse et de deux Marocains qui avaient été mis... Cinq jours plus tard, les trois hommes sont libérés. Mais leur répit est de courte durée. Le parquet fait immédiatement appel de la décision du juge d'instruction. Devant l'obstination du parquet, André Casse est dès lors persuadé qu'il va retourner en prison. Alors il fait le tour des rédactions nationales pour crier à la machination policière et à l'erreur judiciaire. Je me retrouve aujourd'hui en liberté, mais avec toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je dirais, d'autres gens l'ont connu avant. C'est absolument épouvantable et je dirais, pour moi, c'est important, mais surtout pour mes enfants, parce que pour les enfants, c'est encore plus dur, parce qu'on a tué leur mère. Mais le parquet de Rouen n'a cure de ce ramdam médiatique. Et le 7 juillet 95, la chambre d'accusation renvoie André Casse et ses présumés complices en prison. Plutôt que d'arriver sous escorte et menotté, André Casse préfère devancer la date de son retour en prison. Seul hic, quand il se présente à la porte de la maison d'arrêt, on n'a pas encore reçu les documents officiels pour sa réincarcération. On me dit, on n'a rien pour vous, on a téléphoné au greffe et manifestement, on ne peut pas vous accepter. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, je vais appeler les gendarmes à Duclerc pour leur demander s'ils ont un élément quelconque qui me permettrait de rentrer. Mais là, ça fait deux fois que je me présente spontanément. Je dirais que ça commence à devenir le grand guignol. Là, on est dans Ubu, enfin, je veux dire... Scène ubuesque, en effet, qui permet à Casse de manier humour et sens de la provocation. C'est difficile de sortir, mais c'est aussi difficile de rentrer. Votre retour en prison, André Casse, après quelques semaines à peine de liberté, ça se passe comment? C'est le coup de massue. Je sors, on me libère. Je sors de prison, je suis libéré. Bon, 19 mois de prison, je me dis ça y est, la vie repart. J'arrive au greffe, je prends mes affaires, je suis tout content, et j'ai un courrier de mon avocat qui m'attend. Et il me dit, j'ai appris que le parquet allait faire appel, donc au moment où je sors de prison, je sais d'avance que... Il me dit, apprêtez-vous à y retourner. et le dossier est vide à votre rencontre. Il n'y a plus rien contre vous totalement au moment où vide. On vous renvoie en prison. Le juge, qui ne m'aime pas du tout, c'est réciproque, me dit, je me suis trompé, je vous libère. Bon, les parties civiles, y compris ma belle-mère, disent, laissez-le dehors. Les enfants, évidemment, il est innocent. Donc à ce niveau-là, je me retrouve avec personne devant moi. Et donc, cette présidente de la chambre d'instruction à l'époque va me remettre en prison contre l'avis des parties civiles unanimes et contre l'avis du juge d'instruction, ce qui est quand même exceptionnel. Je suis un cas unique. Il y a une situation de blocage. On a un juge qui reste encore un petit moment. Et qui, lui n'avance plus, puisqu'il n'y croit plus. Il n'y croit plus. Pour lui, c'est fini. Enfin, mais qui ne va pas non plus redémarrer sur d'autres pistes, sans doute parce qu'il a face à lui un parquet qui, lui, est toujours sur Casse. Après un bref mois de liberté, la situation semble plus inextricable que jamais pour ceux qui demeurent mis en examen pour l'assassinat de Sylviane Casse. Et le calvaire continue notamment pour Malek Mestoui, qui, à son retour en cellule, est à nouveau mis à l'isolement. Plus que désespéré, j'ai écrit à Mitterrand, j'ai écrit à Chirac après, j'ai écrit au ministre de la Justice, c'était Monsieur Toubon à cette époque-là. J'ai fait 23 demandes de liberté provisoire. Personne ne voulait m'entendre. Car si Casse fait régulièrement parler de lui dans la presse, Malek et Driss se sentent oubliés. On parlait que de M. Casse. On n'a jamais parlé de moi. Jamais on m'a me dire qui tu es. Toujours M. Casse, M. Casse, M. Casse, M. Casse. En mai 1996, les trois hommes sont en prison depuis 2 ans et demi. Le juge Laurent décide de clore le dossier. Ils n'échapperont pas à la cour d'assises. Quand une catastrophe est en route, parfois la chance, un petit rayon de soleil, vous savez, qui apparaît. Et le rayon de soleil va se manifester en la personne du nouveau procureur de la République de Rouen, auquel doit être rendu vraiment un hommage dans cette affaire,
C'est rare qu'une erreur judiciaire s'arrête grâce au procureur, je le dis. Là, ça va être le cas. Joseph Schmitt, en mai 1996, vous êtes nommé procureur à Rouen. Vous reprenez donc les dossiers de votre prédécesseur, dont le dossier de l'affaire Casse. Il faut tout de suite le consulter, j'imagine, le lire. Oui, je le consulte immédiatement. Et à la première lecture, c'est-à-dire au bout d'une heure de lecture, après avoir lu ces constatations, j'avais eu le sentiment très fort qu'on était dans l'erreur, car manifestement, ce que je lis me laisse penser de façon évidente qu'il s'agit d'un crime improvisé, d'un crime de rôdeurs qui sont passés par là, ce jour-là, et certainement pas un crime prémédité tel qu'en était la thèse officielle. Qu'est-ce qui vous fait penser que André Casse n'a pas pu commettre ce crime ? Je découvre ça à travers les déclarations d'un repris de justice qu'il fait comme ça au mois de septembre 1993, et d'un repris de justice qui est un trafiquant notoire qui se trouve à ce moment-là en détention. Et alors pourquoi vous doutez de ces déclarations ? D'abord, il ne s'agit pas d'un témoin au sens légal du terme, il s'agit de quelqu'un qui rapporte des choses dont il a entendu dire. Il n'a pas vu l'ours, il a vu l'homme qui a vu l'ours. Oui, c'est un peu ça. Donc, ça n'entre pas dans la catégorie des preuves légales qui sont de nature à forger ou à fonder vraiment la conviction d'un magistrat. Et vous avez le doute, et je me dis, au minimum. Je me dis, je tourne la page suivante du dossier, et sur cette page-là, je trouve encore une fois un deuxième élément qui m'écasse pour la seconde fois en cause dans ce dossier. C'est un autre détenu qui, dans les mêmes circonstances, arrêté au cours d'une tentative de cambriolage, dit simplement « j'ai des révélations à faire dans une affaire » et il nous sert, à peu près mot à mot, je dois dire, le même discours. Ça devient un véritable étonnement. Je suis un peu, et je le dis au sens littéral du terme, un peu sidéré. Il n'y avait pas davantage contre Casse dans le dossier. Donc la conclusion ? La conclusion qui s'imposait, c'est que j'ai demandé au juge de prononcer un non-lieu. Le 16 octobre 1996, vers 21h, un surveillant ouvre la porte de la cellule d'André Casse. Casse, pactage. Deux mots synonymes de liberté définitive cette fois. Liberté aussi pour Malek et Driss, les soi-disant hommes de main. J'ai cherché ni père ni mère, j'ai pris rien du tout. Je me suis rhabillé parce que j'étais en pyjama. Je me suis rhabillé. Et puis, nous là, tous les trois, devant la porte de la prison. C'est l'avocat de Malek, maître Philippe Le Sen, qui a précipité la libération des trois hommes en plaidant le droit européen. La Cour européenne des droits de l'homme impose aux juridictions françaises, aux juridictions européennes, impose à ces juridictions de juger toute personne dans un délai raisonnable. Et donc au-delà de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on est bien entendu dans le délai déraisonnable. Et donc risque d'annulation de procédure ou de sanction d'État français. Des arguments qui s'ajoutent à la conviction du procureur Schmitt que les trois hommes sont innocents. Finalement, la chambre d'accusation libère les trois prévenus. L'enquête redémarre et revient dans les mains de la gendarmerie. Jean-Louis Martinez reprend le dossier à zéro. On va repartir sur le dossier initial et sur les hypothèses qui avaient été émises au départ par la gendarmerie de Duclerc et la brigade des recherches de Rouen. Pas facile de reprendre le fil d'une enquête 5 ans après. Surtout quand, de retour sur les lieux du crime, les gendarmes s'aperçoivent que des investigations de base n'ont pas été faites. On va s'apercevoir que les deux balles qui ont été tirées, semble-t-il, par Madame Casse, sont encore dans le mur, quoi. Donc on les fera enlever, parce qu'il fallait, il faut quand même savoir s'il y a eu une ou deux de longs rifles qui ont été utilisés. On s'aperçoit déjà qu'au point de vue des constatations, il y a quand même des lacunes qui ont été faites. Les balles dans le mur proviennent bien de la Winchester qui a tué Sylviane Casse. Mais les expertises balistiques ont été faites à la légère et ne permettent pas de savoir avec certitude comment les choses se sont passées. Et que dire d'autres failles encore plus graves ? À l'autopsie, on n'a pas relevé les empreintes de Madame Casse. Donc après, si vous trouvez les empreintes pour savoir à qui elles appartiennent, est-ce que c'était celle de Madame Casse ? Si on trouve une pièce d'identité avec ces empreintes,
on pourra les éliminer si on ne la retrouve pas. Est-ce qu'elles étaient à Madame Casse ou est-ce qu'elles sont éventuellement à un assassin? Grande question. C'est comme ça. En dépit de tous ces ratés, de toutes ces incertitudes, les gendarmes s'échinent à repartir sur la piste d'un cambriolage qui a mal tourné. Ils ne sont pas les seuls, car la famille Casse et ses avocats travaillent aussi sur cette piste. On va travailler de nouveau sur le dossier et on va s'intéresser fortement à une piste qui existe depuis le début, mais qui n'a jamais été exploitée. Cette piste, c'est celle d'un vendeur de lithographie qui avait rendu visite au Casse une quinzaine de jours avant l'assassinat de Sylviane. La femme de ménage en avait parlé. Le fils cadet, Jérôme, était présent ce jour-là. Je m'en rappelle surtout parce qu'en fait, il posait des questions sur les chiens, il posait des questions sur la maison. Il commençait même à la limite à parler de l'alarme, c'est assez surprenant. Cette piste, ignorée jusqu'alors, rebondit en 97, grâce à un juge d'instruction de Paris qui vient de mettre sous les verrous ce vendeur de lithographie. Un voyou, en fait, qui profite du porte-à-porte pour repérer les maisons qu'il va cambrioler. L'affaire Casse étant connue, médiatisée, ce juge de Paris va faire lui-même le lien entre les conditions du meurtre de Sylviane Casse et le mode opératoire habituel de son client, dont il sait par sa procédure qu'effectivement il était à Rouen 15 jours avant. Et c'est un homme violent qui vient justement d'être incarcéré pour l'agression d'une femme seule chez elle qui l'a traînée dans les escaliers. Troublant. Tout ajouté, ça peut laisser penser que bon, c'est intéressant de poursuivre sur cette piste. Le vendeur de lithographie est confronté au nouveau juge rouennais en charge du dossier Casse. Au cours de l'entretien, on lui présente le portrait robot de l'homme qui a abandonné la voiture de Sylviane Casse le soir du meurtre. Et là, agressif, il se dresse sur sa chaise et interpelle violemment le juge. Déjà, c'est trop abusé. On dirait que c'est moi. Il dit c'est moi. Parce qu'effectivement, le portrait robot lui ressemble un peu. Bon, c'est un portrait robot, bien sûr, mais bon, c'est encore, je dirais, un élément qui fait que c'est troublant. Tout cela reste troublant. La piste du vendeur de lithographie est désormais privilégiée par les gendarmes. Mais 5 ans après les faits, ils ne se font pas trop d'illusions. Ça n'a pas pu aboutir parce que d'une part, bon, on n'a aucun élément nous permettant d'affirmer que ce week-end, il était bien là. On n'a aucune preuve matérielle, que ce soit une empreinte, une trace, un ADN ou quoi que ce soit. Lui nie totalement les faits, on n'a aucun témoignage, on n'a aucun élément nous permettant de dire qu'effectivement, c'était lui. Le juge d'instruction nous tient un discours en disant « C'est vrai qu'on a des indices contre lui, mais je ne peux pas le mettre en examen parce que ce n'est pas suffisant. » Et que des années après les faits où nous sommes aujourd'hui, je n'ai aucune chance de récolter d'indices supplémentaires. Monsieur le procureur, c'est toujours vous qui travaillez sur cette enquête, quelques années après. Qu'en est-il exactement de la piste du vendeur de lithographie? Ah, oui, écoutez, là, vous m'interpellez sur cette piste-là qui fait l'objet d'une instruction actuellement. Je suis quand même obligé de vous rappeler que je suis tenu au secret de l'instruction. Une équipe de France 2 a recueilli le témoignage d'une l'ex-petite amie du vendeur de lithographie. Elle dit qu'un jour, il lui a dit « j'ai buté une vieille ». C'est ça, c'est exact. Donc, j'ai demandé au juge d'assister, comme la loi me le permet, à cette audition. Et je dois dire que c'est un témoignage sans aucune consistance, où la personne n'avait strictement rien à dire, qu'elle a répété de façon extrêmement générale et vague qu'il lui avait dit qu'il avait buté une vieille, sans préciser ni les circonstances de lieu et d'espace. On ne savait pas où ça avait pu se passer. Donc aujourd'hui, je crois que c'est une piste qui va être abandonnée. D'autres pistes existent aujourd'hui? Nous n'avons aucune autre piste. Nous n'avons plus qu'à faire confiance à la chance ou au hasard. Ce sont les seuls éléments dans lesquels nous pouvons fonder quelque espoir qu'un jour la vérité n'éclate. Et je le souhaite pour M. Casse, ses enfants et sa fille. André Casse, Malek, Idriss,
ont été lavés de tout soupçon. Un non-lieu général a été ordonné au printemps 2004, 8 ans après leur libération. La justice répare enfin les pots cassés. Mais la douleur est toujours vive, d'autant que dans cette affaire, l'État français s'est montré pingre. 70 000 euros à chacun des 3 hommes. 3 ans de prison pour assassinat, plus de famille, plus de femmes, plus d'enfants, plus rien. Je retourne chez ma mère et je vis jusqu'à maintenant, je suis suivi psychologiquement et tout, 70 000 euros. S'il y a une justice, pour moi, il faut me la montrer. Il faut me la... Non, il n'y a pas de justice, non. Non. Mon père, ça a été très très dur pour lui. Ça a été une épreuve pas possible, c'est très dur pour nous aussi. On a tout perdu, on nous a tout pris, on nous a humiliés, personne ne s'est excusé. Personne. Il y a les dégâts moraux et le préjudice matériel. Il y a aussi le gâchis d'une enquête inachevée. La famille Casse ne connaît toujours pas le nom de l'assassin de Sylviane. Non, franchement, c'est très dur de faire son deuil, c'est même pas possible pour l'instant. J'espère qu'on arrivera à arrêter l'assassin, ou les assassins. J'espère qu'on arrivera à les faire condamner. Tous les jours, je me lève en me disant, bon, il y a l'assassin de ma fille qui est là, qui vit, qui... Et puis, je ne l'ai pas vue depuis 15 ans. Je ne la verrai plus jamais. André Casse, vous avez passé 3 ans en prison. Pour rien. Combien avez-vous reçu d'indemnisation de la part de l'État français ? 70 000 euros. Et vous estimez que l'État vous doit combien ? Moi, j'estime rien. J'ai demandé à un des plus grands cabinets d'expertise comptable français de me faire l'estimation. On est arrivé à 3,5 millions d'euros. C'est ce que vous avez perdu entre le moment où vous rentrez en prison et le moment où vous sortez, quoi ? C'est ce que j'ai le 8 novembre 1993, quand on m'arrête. C'est ce que je n'ai plus quand je sors le 16 octobre 1996. Et pour vous, on vous doit exactement ce que vous avez perdu. On ne me rattrapera pas les années perdues. Là, j'ai perdu 12 ans de ma vie. Mais en dehors de ça, parce que la prison, c'est une chose, mais tant que vous êtes en examen, vous êtes toujours en prison, aux yeux des autres. Donc, je dirais, j'ai hypothéqué 12 ans de ma vie. Si au moins je récupérais ce que j'avais réussi à avoir à l'âge de 40 ans, avoir uniquement ce que j'avais, ça serait déjà un moindre mal. Le livre d'André Casse, paru en 2005, se termine par cette phrase. La balance de la justice a besoin d'une réparation. Cette justice me l'accordera-t-elle ou sauvera-t-elle son honneur en sacrifiant le mien ?